par devant pour récupérer le navire sur la berge. Rejoignez-nous sur place. Descendez la rivière avec un NJ et défendez le mec de la brigade Gold. Ah, vous êtes là. Mutumba me faisait justement ce rapport. Il semble que c'était quoi ce bruit? Je vais garder la princesse. Et vous, vous allez voir ce que c'est. Ah, d'accord, elle n'est pas physique. Il est bizarre ce sol, il n'est pas palpable. C'est quoi le plan? Ok. Ah. Est-ce que c'est parce que je suis sur une monture? Non, ça a juste bugué visiblement. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Yo! A plus! Ah. On va charger le rafio, s'engager sur cette rivière et désinguer du troll de sang. Qui est de la partie? Espérons que Rokan et les autres puissent rentrer indemnes à Zul'jan. Sinon, ce voyage va tourner court. Rokan n'est pas né de la dernière pluie, princesse. Il n'est pas du genre à se faire avoir par des trolls de sang. Regardez, des trolls de sang. Ils se préparent à attaquer ma cité, j'en suis sûr. Repoussez ces trolls de sang. Nous ne pouvons pas les laisser couler notre barge. Ça a l'air pas trop mal. Des morts vivants? Ils veulent sûrement atteindre Zul'Dazar. Il faut les détruire. Wow, wow, wow! Personne n'a précisé qu'on devrait aussi se farcir des morts vivants. Mais on travaille avec des morts vivants en permanence, crétin des îles. Patron, je crois que le terme politiquement correct, c'est réprouvé. Réprouver les morts vivants, c'est pas tout à fait la même. Je dois m'approcher. Je les avais pas vus. C'est pas possible. Ce n'est pas faux. J'ai bien plus d'observateur que mon père. Oh purée. Oh, ça lance des piques. Un peu de respect pour feu votre père. Un gros problème ici. Ça, c'est pas un problème. C'est une mission pour notre bon vieux canon parabolique. Le canon! Le canon! Le canon! Le canon! Le canon! Faut le spammer un peu. La voie est libre maintenant. Une fois que nous aurons accosté aux ruines de Zul'jan, il nous faudra aller vite. Message reçu, princesse. Ça tombe bien. Vous vous trouvez en ce moment même sur ce qui se fait de mieux en matière de technologie gobelin. Chef, si on suit le manuel à la lettre, il manque des vis à certains des endroits. Les manuels, c'est pour les crétins, très dur. Les vrais artistes agissent à l'instinct. Ouais. J'en ai connu qui disaient tout au talent. Hein. Nous avons localisé l'épave d'une embarcation mise à sac par les trolls de sang. Emparez-vous de son chargement avant qu'il ne le fasse.
calme un peu. Rokan, tout va bien? On dirait qu'on s'est battu ici. Ouais, les trolls de sang, ils se battaient avec les gardes quand on est arrivé. Ils s'attendaient pas à ce qu'on les attaque par derrière. Je ferai ce qui s'impose pour protéger mon peuple. Nous avons beaucoup appris et si nous sommes parvenus jusqu'ici, c'est grâce à vous et à votre horde, mais tous nos efforts auront été vains. Si les trolls de sang réussissent à nous vaincre ici, nous avons tous travaillé d'arrache-pied depuis notre arrivée dans ce marais maudit, sans dormir ou manger à notre faim. Ces soldats comptent parmi les meilleurs que j'ai rencontré, mais ils ont leurs limites. Rappelons-leur pourquoi ils se battent. Faites retentir le gong antique. Pour commencer, nous devons rassembler nos troupes. Ah, ce gong devrait faire l'affaire. Faites-le retentir. Soldats, amis, nous avons traversé bien des difficultés, mais notre combat touche à son but. Nos ennemis cherchent à détruire tout ce qui nous est cher. Nous ne pouvons pas les laisser y parvenir. L'avenir de Zandala repose entièrement sur nous. Nous allons anéantir les trolls de sang et nous assurer que leur abomination ne nous frappe plus jamais. Avec l'aide des Loa et fort du courage qui nous anime, nous allons triompher. Je me bats pour ceux qui n'ont pas de protecteur. La bataille du sang igné. Il est temps de frapper un grand coup pour mettre un terme définitif, aux déprédations des trolls de sang. Retourner au ravin de sang igné, cette fois-ci, ce sont eux qui détaleront. Comme des lapins en selle, ensemble, nous allons leur montrer qu'on ne badine pas avec notre armée. Reprenez le ravin du sang igné au troll de sang. Zandala. Suivez-moi, tous les autres, rejoignez Rokan sur le front nord. En avant, pour l'avenir de Zandala. Allons-y. Vos éclaireurs de la Horde ont repéré un redoutable ennemi dans la zone. La bataille a commencé. Menez-nous à la victoire. Zandalar pour toujours. Les trolls de sang nous donnent bien du fil à retordre. Ils réaniment même ceux qui sont tombés pour grossir leur rang. Leurs nécromanciens relèvent les morts à l'aide de totems alimentés par la magie du sang. Les détruire soulagerait nos troupes. Détruisez trois totems de réanimation. Puissent les crânes de vos ennemis ornés. Vous ressemble à ça? C'est ça. On peut attirer une monture.
Il y a beaucoup à faire. Allez à l'essentiel. Bon, faut buter du troll de sang, donc. J'ai un joueur qui est passé juste devant moi, hein. C'est pour ça que c'était libre, le chemin était libre. Je suis hors de portée. Ah. Je suis hors zone. Il me manque des mobs à buter. Ah, c'est pas vrai, il avait pas tout ce qu'il fallait. Bon travail, continuons. Ah, elle est juste là. Voyons-nous ici. Les temps changent. Allez-y, et les hommes d'Alari devraient suivre doucement, le mouvement. Doucement. Mes sujets sont toujours toujours capturés et conduits vers le village troll. Conduits vers le village troll de sang. Pour y être sacrifié afin d'augmenter le rituel macabre, je vois devant nous ceux qui sont tombés en chemin. Je les entends hurler alors que les trolls de sang, ils se servent de leur corps pour accomplir leur sombre rituel. Nous ne pouvons pas laisser mon peuple périr dans ce marais indigénormand. Prenez ces bandages et sauvez tous les Andalari que vous trouverez. Sauvez 6 soldats Andalari blessés. Okay. Vengeance pour le mort. Ah. Salut, quoi de neuf ? Regardez-moi ces trolls de sang bien planqués dans leur jolie petite forteresse. Plusieurs lignes défensives, des tonnes d'équipements, ils ont sorti le grand jeu, sauf qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce qui les attend. Ça fait presque peine à voir. Tiens, commençons par leur montrer ce qu'on pense de leur touchant effort pour dresser des barricades. Tenez, prenez ces grenades fumigènes et placez un signal juste dessus. On va voir comment elle résiste à nos bonnes doses, à une bonne dose d'explosifs. Appelez les frappes d'artillerie pour détruire les barricades des trolls de sang. Azulnazman. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et ouais, d'accord. Ouais. Ouais, d'accord. Donc, par contre, ça les propulse, ça ne les tue pas, les... Vous croyez que je vais vous laisser mourir alors que vous avez une tête envers moi, hein? Ceux qui restent, ils sont à vous. Amusez-vous bien, mais n'oubliez pas que vous avez une dette à me payer. Leurs âmes, vous me les envoyez.
suis trop loin. Je dois d'abord choisir ici. Je pense que c'était un... juste un mec dans le sol, mais non. Il me faut une cible. Bien, nous avons ouvert une brèche. Il ne reste plus qu'à nettoyer la vermine maintenant. De toute façon, c'est bon. Ah, ok. Je ferai ce qui s'impose pour protéger mon peuple. Que les Loa veillent sur vous. Puissent les crânes de vos ennemis orner vos habits. Une cible fortuite. Il semble que nos agissements ne soient pas passés inaperçus. Légèrement, une sombre présence s'approche de... je la sens. Atina, elle n'est pas loin. C'est notre chance. Si nous frappons maintenant, nous porterons un coup mémorable au troll de sang. Allons-y, affronter la grande Mada Atina. Puisse Bon Samedi voir vos ennemis avant qu'ils vous voient. Venez! C'est peut-être notre chance de mettre un terme à tout ça. Allez-y, je vais surveiller le flanc. Mais pas si vite. Faute que... Ok, d'accord, excuse-moi. Zandalar pour toujours. C'est terminé de nuire à mon peuple. Quelle courageuse petite princesse. Te faire taire va être très amusant. Une vie de confort et de luxe, à l'abri de la faim et de la mort. Je n'ai pas de cible. Ton peuple, il est complètement ramolli, princesse. Les hommes de la rue ont la flotte de guerre la plus puissante au monde. Le nous avons de trouvé tes notre port. Il nourrit mes armées. Quand la bête se lèvera, tous hommes d'Alar s'écroulera. J'empêcherai ça. Je suis le bouclier de mon tu peuple. Tu commences à m'ennuyer ferme, princesse. J'ai pas le temps de jouer avec une enfant gâtée. Je dois d'abord choisir une cible. Le rituel du réveil sera accompli. Serviteurs, occupez-vous d'eux. Merci. Elle est bien plus forte que je croyais. Que les lots avaient sur vous. Écartez-vous! Me v'là avec l'artillerie lourde! C'est l'heure de gagner notre croûte! Feu à volonté! Imbécile! Cool! Il échouera pas! Votre pouvoir est inutile! Mouais. Je me bats pour ceux qui n'ont pas de protecteur. Alors, rien, je n'arrive pas à croire que l'arme n'ait eu aucun effet. Maudite soit... Excusez-moi, est-ce que j'ai pas mis ton micro? Non, j'ai pas mis mon micro. Maudite soit Atina et sa magie noire. Il faut trouver un moyen d'atteindre le sommet pour lui régler son compte et lever cette barrière.
La question, c'est comment. Ah, j'y suis. Kragua, le loup des grenouilles, il déteste les trolls de sang. Je parie qu'il acceptera de nous aider. Et alors, nous pourrons enfin mettre un terme à la folie d'Athina. Enfin, il demande lui son aide. Zandala résistera. C'est à Kragua que vous parlez? Réfléchissez avant de fou. Bon, il y a des parties non traduites, hein. Mais c'est pas grave. Il y a beaucoup à faire. Allez à l'essentiel. Bon, votre aide a été bien plus que précieuse que je ne l'espérais dans mes rêves les plus fous. Votre horde et vous nous avez permis d'arriver jusqu'ici. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Nous devons à nouveau affronter le chef des trolls de sang et mettre un terme à leur sinistre plan une fois pour toutes. Dans le Mojo d'Athéna, pour la protéger, nous allons enfin pouvoir. Sans le Mojo d'Athéna pour la protéger, nous allons enfin pouvoir détruire leur monstruosité avant qu'elle ne se déchaîne sur Zuldazar. Vous savez quoi faire. De mon côté, je dois me préparer. Allez-y, je vous rejoindrai dans la bataille quand la bataille aura commencé. Ok, cette fois-ci, on se la fait. Vengeance pour le moins. Cette fois-ci, tu t'en tireras pas. La fin des hommes d'Alari, c'est maintenant! Tous serviront le maître. Je dois m'approcher. Je suis trop loin. Ah! La fin est proche! Alors ça, c'est dégueulasse. Allô, vous avez perdu votre petite pierre aux dames? Alors ça, c'est dégueulasse. Et je peux pas voler. Je rappelle qu'à Zuldazar, je ne peux pas voler. Je suis coincé. Et ben là je. Tes os, mes crocs, ils vont aimer. Comment j'y retourne? Comment j'y. Il faut que j'aille par là. Oh, cassez-vous. Passe par là, ça résout pas mon problème.
C'est un enfer. C'est un enfer. J'ai une quête là. Je vous écoute. Revenez me voir si vous avez besoin d'aide. Ah, je vais devoir faire un détour de mort pour... Oh là 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 là, cet enfer. Vos éclaireurs de la Horde ont repéré un redoutable... On signale la présence d'un redoutable ennemi à proximité. Abattez-le, mais restez bien sur vos gardes. Là-bas. Enfin! Oh, je vais faire retomber en plus. Bon. Au cas où. Juste une question, est-ce que je peux m'approcher de ça? Je peux le traverser ça. Et sans prendre de dégâts. Passé. Alors là, j'ai rien compris à ce qui s'est passé là. Ah, le combat était quasiment fini en plus, quoi. Je me bats pour ceux qui n'ont pas de protecteur. Alors, ouais, d'accord, je reçois tout, donc c'est bon. Votre combat est enfin terminé. Le plus important encore, vous avez noué les liens solides avec les Tortolans et vous êtes fait de puissants alliés parmi les Loa. Je sens que nous aurons besoin d'eux avant... Je sens que nous aurons besoin d'eux avant longtemps. Je dois retourner à Zuldazar pour informer mon père de notre victoire. Vous entendez ça? On dirait que Rokan a un message pour nous. Ouais, ouais, alors par contre, c'est totalement anachronique. Princesse, mes éclaireurs, ils m'ont dit que le gardien des titans Ezreal s'est aventuré jusqu'à la base de ce bâtiment. Ah. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Beau boulot, vous avez réussi à tuer Atina et à envoyer ce maudit assemblage au fond de je ne sais où. Mes éclaireurs, ils disent avoir vu le gardien des titans Azrael marcher en direction d'un lieu appelé l'hôtel de la putréfaction. À présent qu'on est débarrassé de cet assemblage, on va pouvoir voler jusque là-bas pour voir ce que mijote Azrael. Mieux vaut qu'on s'en occupe nous-mêmes. La princesse a des affaires à régler en ville. Trouver le gardien des titans Azrael dans l'hôtel de la putréfaction. Okay. Surveillez vos arrières.
pour les sombres lances. Ok. Ok, ok. On pensait qu'Ezreal nous aiderait à combattre. Mais au lieu de ça, il est parti faire je ne sais quoi de son côté. Je me demande bien ce qu'il prépare. Hein? Ezreal a trouvé de quoi s'occuper. Que fait-il, là? Bah, il éradique la corruption, c'est... il est fait parmi pour ça. Parmi toutes les choses qui semblent dangereuses en Asmir, cet endroit, c'est le pire. Soyez sur vos gardes. D'accord. Je peux utiliser la monture, donc on y va. Ah. Est-ce que je suis à proximité? Non. Ezreal, qu'est-ce que tu fous? Le... Oh, un donjon. Une instance. Le temps nous est compté, la zone est imprégnée d'une immense corruption générée par Goon. Les modules de détection indiquent que la corruption se propage via une brèche dans la structure de confinement de Goon. Progression immédiate requise pour combler la brèche. Impossible d'exécuter cette fonction en mode autonome. Fuite massive de corruption de Gnoun, invasive des tréfonds putrides, est un indicateur de la corruption de Gnoun. Excusez-moi. Les analyses préliminaires suggèrent la présence à proximité d'une abomination massive, libérant davantage de corruption en Asmir. Destruction de la monstruosité déchaînée requise pour contenir la corruption de Goon. Fonction opérationnelle, entrée autorisée. Pénétrer dans les tréfonds putrides et terrasser la monstruosité déchaînée. Ok. Bon. Excusez-moi. Hein, je vous écoute. Oh, je... Nazmir croule sous les problèmes, MDG le Normand. Moi, je vois pas ce qui pourrait être pire qu'un dieu très ancien qui essaye d'en prendre le contrôle. Je vais retourner aux ruines de Zul'jan et prendre la tête des opérations pour protéger la région. De votre côté, vous devriez retourner à Zul'Dazar pour informer Bane de la situation. Peut-être que les tréfonds putrides, lui, y plairont, qui sait. Ils lui plairont, qui sait. Je peux sortir d'ici et vous ramener à Zul'jan si nécessaire. Oh, la réparation d'un dieu ancien, ouais. Ce qui pourrait être pire, que Sargeras s'en mêle. Que le roi Lich revienne aussi et que Illidan nous retrahisse à nouveau pour se joindre à eux. Là, ça serait un beau merdier. Si tu veux des situations encore pires, je t'en trouve, hein, y a pas de souci. Revenez me voir si vous avez besoin d'aide. Et la réélection de Macron. Je rappelle que je suis en 2021, j'espère que ça va pas arriver en 2022. Ou le retour de Sarkozy. Aïe 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 aïe. Pardon. Non, je pars politique là. Non, moi je. Désolé. Oh, mais il se passe des choses ici. Alors, je suis en instance, ça veut dire que les mobs ne repopent pas. Bah écoutez, une heure pour faire l'instance, moi ça me va. Par contre, on va... Ouais, je vais...
Mais nous devons encore trouver la source de la corruption et la détruire. Soyez sur vos gardes. Qui sait ce qui nous attend dans ces grottes? Vache! Ah oui, d'accord. C'est l'instance, quoi. C'est ce genre d'instance. Il y a du monde à droite. On va passer par la gauche. Merde. Ça, je voulais éviter. Je suis hors de portée. C'est bon. Je l'aggro tout seul. Ça fait déjà un ennemi de moins. Qui est con ? Bon, ça va. Ok. Bon. Oh là 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 là. C'est l'heure du sacrifice. Pourrissez tous. Tous.
Là, on l'a presque. C'est bon. Je dois d'abord choisir une cible. Pour Goon. Ouais. Bon. On essaye au maximum d'éviter, on évite les combos au maximum. Là par exemple, je crois que c'est inévitable. Bon. Ah d'accord, ok, c'est ce genre de pouvoir. Oh, c'est ingérable. J'ai aucune chance. Ils arrêtent pas de m'étourdir. J'ai aucune chance. Heureusement qu'ils tapent pas fort, quoi. Sont abusés. Ces mobs sont abusés. Là, ils sont trois, ils arrêtent pas. Ils m'étourdissent à la chaîne, en fait. J'aurais pas mon mâcheur du vide, je serais mort. Enfin, je serais bloqué, en fait. En fait, je serais soft lock, quoi. Parce que je... Eh ben, c'était un enfer. C'était un enfer et le pire, c'est que j'en ai d'autres à... Je dois être pas loin, là, non? Ah, purée. Je suis tellement loin. Ils peuvent s'invoquer un bouclier sur la tronche.
J'ai raté le deuxième boss. C'est pas le mec au milieu quand même là. Purée, c'est le truc qui est là-bas. Et ça peut verrouiller les ombres en plus. Non mais oh. Toujours plus. Je n'ai pas de cible. Alors, la question là c'est est-ce que je peux l'aggro ? Je dois m'approcher. S'en foutre un bordel monstre. Apparemment oui. Alors j'ai eu de la chance qu'il ait pas fui quand j'ai balancé mon sort de fire par erreur. Il a 1,2 million de points de vie, non mais oh. Eh, c'est très bien. Non, c'est très bien d'avoir fait ça. C'est très bien. Au moins, tu t'éloignes des autres. Qu'est-ce que... Quoi ? Je me suis trop éloigné de la chambre et il a réinitialisé sa position. On recommence. Je suis hors de portée. Je suis mal placé. Regardez. Mes sortilèges sont mal placés. Faut pas que je quitte la chambre où il est en fait. Sinon ça réinitialise le combat. Merde. Ah mais c'est pas possible. J'avais pas vu. Oh là 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 là. Oh, je suis mort. Eh zut, et lui il a aggro des mobs, ils vont arriver. Non, c'est bon. Il a aggro le boss. Du coup, il est sorti de la chambre et ça a réinitialisé les combats. Donc c'était bon. Bon, on va prendre quelques précautions.
pas là? Ah non, c'est pas là. Eh, j'ai pas vu ça. Parce que c'est pas souvent qu'en instance on peut, utiliser nos montures. Je prends toutes les précautions là. Ça fait deux fois qu'on réinitialise le combat. J'avouerai que ça me gonfle un peu. Et je sais pas pourquoi mon drain de vie ne réinitialise pas ma corruption. C'est bon, je l'ai. Ce n'est pas encore. Vache. Oh là 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 là. Et ça s'est joué un peu. Oh, ça s'est joué un peu. Oh là là là, je suis mal. Ah, puis j'avais plus mon marcheur. C'est pour ça que j'en prenais plein la gueule aussi. Bon, de toute façon, j'ai encore 13 minutes de résu. J'ignore ce que c'est que ça, je vais éviter de m'en approcher. J'ai pas eu trop le choix. Bon, il est tout seul. Donc, c'est bon. Il me faut une cible. Bon. Ok. On va donc passer par là. Trois ennemis là ou j'en ai deux là. Faudrait quasiment le faire en groupe, hein, ce donjon. Mais il sort d'où lui? Parce qu'il est apparu.
pas vu lui. J'espère que ça va pas aggro les autres. Alors la question c'est, est-ce que je peux... Non, j'ai forcément les aggro. Hein. Allez, hop. C'est quoi cette créature? Elle ne doit pas atteindre la surface. Détruisez-la, vite! Bon. 10 minutes de résu. La putréfaction doit se propager. Là. Bon, il faut que je l'ai pris. La corruption se répand. Oula, là j'ai. Il s'est pris plusieurs traits de l'ombre dans la tronche.